J'ai décidé de partager quelques petits messages que j'ai reçus hier. J'aurais aimé être enceinte. J'aurais aimé chialer d'hormones. Mais voilà déjà un des problèmes qui m'a fait beaucoup réfléchir hier soir. Ça fait mal. Ça fait mal hein, de autant galérer. Et je vais arrêter d'en parler parce que ça va reprendre. Parce qu'il faut savoir que oui, je me suis maquillée, oui, je suis sortie aujourd'hui, mais j'ai énormément de trucs en moi. Donc oui, j'ai craqué hier soir. Je suis très sensible aujourd'hui. Je pense que demain et après-demain aussi. Mais je me dois de me relever, je me dois de me battre pour cette vie. Parce que je vous jure que si j'irai que dans mes pensées négatives, on va parler sincèrement, je serai plus de ce monde. Voilà. Donc voilà un des problèmes pour lesquels dans ma vie, bah, j'écoute ma belle. J'ai vécu dans le sens où j'étais sur la peur, et j'avais raison d'ailleurs, de l'infidélité de la personne avec qui je partage ma vie, ça, ici et ça. En fait, avec mes erreurs du passé, comme tu le dis, j'ai été mariée plusieurs fois. J'ai compris que ça ne servait à rien de s'angoisser. Aujourd'hui, j'ai totalement confiance en mon mari à ce niveau-là, je vous le dis. Peut-être qu'un jour, je serai déçue, ça, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je suis très, très, très confiante à ce niveau-là vis-à-vis de mon mari. Une relation à distance, non. Il a des choses à faire. Et puis voilà, tout simplement. Donc, et pour te rassurer, je ne compte pas me remarier. Enfin, j'ai l'impression que j'ai que des voyantes haters sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, tout va bien dans mon couple. C'est moi qui vous aime avec tout le soutien que vous m'apportez, qui est incroyable, tout l'amour, toutes les douas que tout le monde me fait. Franchement, je vous aime à un point et certains messages qui sont très personnels. Mais vous êtes ma force, je vous jure. Pour moi, ça s'appelle de la méchanceté gratuite. Je fais même pas m'énerver, je m'en fous en fait. Vous pensez que j'ai que ça à faire de pleurer pour du buzz? Je pense que vous avez vu l'état de mes yeux ce matin. J'ai pas que ça à faire, je m'en tape du buzz. C'est les réseaux sociaux qui s'amusent de ça 24 heures sur 24 jusqu'à créer des choses très graves pour faire parler d'eux. Je suis juste sur mon snap et j'ai juste envie de partager avec les filles qui me suivent. Et puis, tout simplement, quand j'aime pas quelqu'un, je vais pas le suivre et je vais surtout pas l'insulter. Donc voilà, attention, et je te fais de gros bisous. C'est clair que Mehdi, je pense, serait là hier soir, j'aurais pas autant craqué puisque c'est quelqu'un de très rassurant. C'est quelqu'un dont j'ai besoin. Je vous le dis clairement, oui, le fait qu'il soit pas là, bah, ça me touche énormément. Mais c'est la vie, c'est comme ça, et il a des trucs à faire, et moi j'ai des trucs à faire. Mais c'est vrai que hier, je pense que j'ai reçu tellement d'informations dans mon cerveau de ce qui se passait autour de moi, de ce que je dois faire, de ce que je dois régler, que c'était le surplus et le fait que mon mari, je ne l'ai pas perdu, c'est juste avoir de la patience. J'aime votre honnêteté et je ne vais pas vous mentir que ce genre de message me touche énormément parce que c'est vrai que la télé a beaucoup montré des facettes de moi où voilà, je suis une gamine, où je suis rentre dedans et tout. Avec le temps, j'ai grandi. Il faut savoir que j'ai fait de la... Je suis désolée, hein. Mais j'ai fait de la télé. J'avais 21 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. J'ai appris à grandir. Et puis voilà, et je suis contente qu'il y a des gens qui se rendent compte que réellement, c'est pas la totalité de la personne que je suis et que je suis sûre. Je pense que si la moitié des personnes me connaissaient réellement, oh là là, j'ai abîmé mon mec dans ma vie, et ben vous verrez que je pense que plus grand cœur sur la main que moi, il n'y a pas en fait. Plus j'aide tout le monde, en fait, j'aide tellement tout le monde que je me délaisse moi-même en fait. Celle-ci, elle était pas mal. Celle-ci, elle était vraiment pas mal. Crotte à l'œil et tout, faut que je l'enlève. L'histoire de ma vie, ça c'est l'histoire de ma vie. Mais ça va, je suis rassurée, je suis pas toute seule. C'est bon ça, je suis tout le temps la personne qui rigole le plus, qui fait comme si de rien n'était. Comme ce matin, je me suis réveillée, je me suis maquillée, je me suis fait jolie parce que j'en ai besoin aussi psychologiquement. Mais c'est vrai que, en vrai, des fois, je me dis, mais qui me connaît vraiment à part moi-même? Donc voilà.
ça, je peux te le dire. Alors moi, si j'étais une grande combattante, je crois que je serais Mohamed Ali. Des combats, j'en ai vaincu. J'en ai encore des prochains combats. Je te remercie, Amine. Vraiment, merci, 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 merci. Je te fais de gros bisous. Et puis voilà, bienvenue parmi nous. Merci, c'est gentil. Jusqu'à ma mort, je vais pas vous mentir, hein. Jusqu'à ma mort, je resterai vrai et authentique tel que je le suis. Je me battrai tous les jours pour ça, que ça plaise ou pas. Le pauvre Jaja, il voulait venir en pleine nuit hier. Il était prêt à prendre le taxi et tout. Et le pauvre, je lui ai dit, franchement, tu viens, je t'ouvrirai pas la porte. Parce que je suis quelqu'un, faut savoir que quand je suis dans ces phases de craquage-là, je parle à personne. J'ai même pas. J'ai envoyé à ma mère, elle a essayé de m'appeler. Je lui ai envoyé une note vocale en lui disant que j'étais pas bien, que j'avais besoin d'extérioriser, de pleurer, et que pour l'instant, je voulais parler à personne. Et puis voilà, c'est des moments où vraiment, je me renferme sur moi-même, je m'enferme, je fais que de pleurer. J'ai du mal à m'arrêter. Hier, il faut savoir que je vous ai mis la story, mais j'ai pas dormi avant 7 h du matin. Ça me saoule, hein, dans cet état-là. Mon make-up! Pense qu'à certains moments, il y a des personnes qui oublient ça. Qui l'oublient que je suis pas une machine. Que je suis pas surhumaine. Et quelqu'un de très sensible. Mais bon. Suis tellement heureuse de vous aider dans votre vie, mais au moins, vous savez, je suis ce genre de personne où j'ai besoin de servir à des gens dans ma vie. Je parle pas de publiquement parlant ou d'être connue, je m'en fous. Je parle même au quotidien quand je vois des gens ou quoi. Si je peux aider par ma présence sur cette terre, je suis la première à le faire parce que ça me rend heureuse. Ça me rend vraiment heureuse. Donc, putain, mais je vais pas arrêter de pleurer, moi. J'en ai marre, là. Désolée de te décevoir, non. Je ne divorce pas bientôt. Mais pour l'instant, je suis très bien dans mon couple. Là, les jours, on s'embrouille pas. Non, ça serait vous mentir. Bien sûr qu'il y a des embrouilles. Mais tout va bien. Bref, la vie reprend. Et mes plantes viennent d'arriver. Mais par contre, je ne vois pas du tout mes palmiers. Parce que j'ai pris des palmiers. Donc là, on installe les plantes pour qu'ils puissent tout terminer. Et là, ça y est, vu que tout est en blanc. Bon, là, on est à l'IKEA. Je vais aller voir un peu pour les assises extérieures. Je suis partie voir en fur et à mesure. C'est une tonne d'oseille pour rien. Je n'arrive plus à mettre autant d'argent, c'est mort. Et puis je viens tout juste d'arriver à la maison. J'ai tellement mal à la tête. Mais en fait, j'ai tellement pas dormi. Je ressens la fatigue un peu. Je sais pas si je vais ressortir. Que j'avais, il devait quitter le taf, mais là il a encore une cliente. Puis voilà quoi. Jamais possible, tu as les règles. Le sang de ses règles sur sa figure. C'est ça l'impression. Je sais pas, dites-moi si c'est moi qui deviens folle ou vraiment l'être humain devient n'importe quoi. Enfin, et le pire dans tout ça, c'est que les meufs, elles sont parties faire le challenge. Le sang de mes règles. On est où là? On est où? On vit pour de l'essence en France. Là, sur les réseaux sociaux, je vois ça. Je vous jure, juste un truc, hein. Les ancêtres là, qui sont dans leur tombe, ils doivent retourner leur tombe. Mais c'est quoi ce monde? On vit où là? Excusez-moi, on vit où? Demain, t'appliquer ta merde sur ton visage, ça va être aussi bénéfique. Appliquer ta pisse sur ton visage, ça va être bénéfique. Je m'en tape, même si un médecin demain il me dit fais-le. Enfin, je suis pas assez débile pour aller le faire en fait. Je sais pas. Et même si c'est archi bon, la vie de ma mère que je le ferai jamais. Je préfère mourir avec ma dignité. J'ai plus les mots, je vous jure, j'ai plus les mots. C'est quoi ce monde de crasseux? Fatigué. C'est waouh, waouh, waouh. C'est. Vous allez aller jusqu'à où? Et surtout, les plateformes qui acceptent ce genre de challenge, j'ai le faire tourner et c'est normal. Quel débile est parti inventer ça? Je vous jure, hein,
je suis outrée par ce monde. C'est wesh. Et j'aimerais tellement retourner à mon époque depuis le Gap, où j'étais jeune. Depuis le Gap, les Clarks, les Caporal au pied, les lecteurs MP3, les 3310. J'aimerais tellement retourner depuis le Gap. Je vous jure. Waouh. Elles sont là, elles sont fières. C'était le petit coup de gueule écœurement de ce que je venais. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils peuvent pas faire des trucs comme ça. Ordinary, là. Rouge. Et vous savez, maintenant, les gens sont tellement prêts à tout et prêts à tout dire pour faire du buzz que je pense ça peut être fort possible que ce soit ce produit, en fait. Sur la figure. Ah oui, j'ai quand même reçu un message où une meuf, elle me disait, avant de parler, il faut savoir que le sang des règles n'est pas sale. Je suis désolée, le sang tout court, pour moi, c'est sale. Et peut-être médicalement parlant, la composition du sang des règles n'est pas sale. Mais en tant qu'être humain, c'est sale. Je sais pas. Déjà, le sang des règles, ah, ça me dégoûte rien de penser. Le sang des règles n'a même pas la même odeur que le sang tout court quand tu te mets à saigner, en fait. Donc, excusez-moi, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est écœurant. Ça, oh, je vais vomir. Bref, en tout cas, j'espère que ma communauté, vous vous amusez pas à faire ça, parce que c'est vraiment horrible. Ah oui, j'ai plein de questions par rapport à comment je perds du poids, comment je fais pour pas avoir faim. C'est vrai que je vous ai partagé mon brûleur de graisse, je vous ai partagé mon drainant, et je vous ai aussi partagé mes tés minceurs. Et je vous avais parlé aussi de la Magic Powder. Pas à se retenir de grignoter. Par exemple, moi, quand je sais que je vais être en crise de bouffe, c'est quelque chose que je prends pour que je sais que c'est tu fais dans ta journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je prends un produit, je vous le montre tout de suite. Ça, c'est la Magic Powder. Ça fonctionne. Mais vous avez fait agréable. Vous avez mis le bon passé. Bon, petit espace dans mon ballon. Une pâte, cette sensation incroyable. Et la mettre dans un verre, un peu plus d'eau. Attendez, je suis en chose de très pâte. Vous avez vu quand vous avez. Voilà, ça vous évite de monter à son poids. J'ai mis déjà de ma volonté, mais c'est vraiment un produit de la vallée. Vraiment, je peux pas mieux vous dire que vraiment ça va vous. C'est un. Mais j'ai envie de perdre du poids. La fin, c'est. Donc, pour ce soir, je vais aller me faire moi que vous cite. Bon, voilà, je vous ai mis toutes les informations. J'espère que vous allez en profiter. J'aime trop mon col. Je pense que je vais en prendre un où il y a écrit Medji. Oh, mais je l'ai pris chez Aparajan. Donc, ce que les là. Pas de code promo, mais pour celles qui demandent, après, si vous avez les moyens de la payer directement, c'est Aparajan. Bref, je vais aller. Surtout que là je les vois pousser comment vous dire, et pour toutes celles qui m'ont demandé de remettre les produits, je vous les remettrai en photo, vous avez juste à capturer. Bon, il est l'heure critique super dans le été. C'est très respecté chez elle, c'est haute qualité ce produit. Franchement, j'ai mis des abonnés à la maison, c'est simple. Je vous offre une promo. Juste en bas, le lien pour la prise, c'est. Et le foutu du ciment en dessous de la terre va expliquer. Je ne sais pas parler en pakistanais, ils ne comprennent pas l'anglais. Donc là, leur boss que j'ai employé de base arrive. Je me retrouve avec le palmier. Comme ça, enfin, waouh, quel réveil, je vous jure, je sors à peine du lit, j'ai même pas eu le temps de me laver la gueule en fait, je suis épuisée, mais bon, je suis contente déjà de mes belles soirées d'aujourd'hui, mais ça va le faire, mais là, le problème de la communication, déjà que moi je suis en train d'apprendre l'anglais, comment vous dire que le pakistanais, j'aurais aimé le comprendre et le parler, mais là pas du tout en fait, donc j'attends que leur boss il arrive et que... Il puisse expliquer ce que je veux.
J'espère qu'il va pas tout me casser. Waouh. C'est dur là, c'est dur. Je suis en rude épreuve. En plus, c'est trop marrant parce qu'ils sont trop choux. On essaye de parler, mais on se comprend pas. Je suis en plein langage des signes, les gars. Et on se comprend pas. Ils ont des souris. Je leur dis non, mais en fait, faut enlever ça. Après, je suis obligée de partir, de lui dire ça, mais il a toujours pas compris. Wahid arrive, le boss du chantier. Parce que là, je vais pas m'en sortir. Qu'est-ce que j'aurais aimé quand même parler le pakistanais. J'aurais aimé moins l'indien ici, enfin le pakistanais. Yeah, I'm not. I'm not.